Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Plozévette, où nous avons le plaisir de vous accueillir cet été avec de nombreuses nouveautés. Portez-vous bien, à bientôt. Aussi riche que le roi, premier roman très réussi d'Abigail Assor, plonge dans la violence sociale du Maroc des années 90 à travers le portrait d'une adolescente française, pauvre mais belle, en quête de vie meilleure. Dans son dernier roman, La Datcha, Agnès Martin-Lugan nous emporte dans le Luberon, au cœur d'un hôtel tenu par Macha et Jo, un couple exceptionnel qui accueille Hermine, une jeune femme abandonnée par sa mère et perdue. Le temps d'un été, un grand-père et son petit-fils rattrapent le temps perdu. Le tourbillon de la vie, d'Aurélie Valogne, est un roman sur le temps qui passe, la transmission, l'urgence de profiter de chaque instant et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Le quotidien parfaitement huilé de Julie connaît quelques turbulences quand son père fantasque vient s'installer chez elle. Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse, Virginie Grimaldi nous conte dans « Les possibles » une magnifique histoire de transmission et de résilience. Dans ce nouveau roman, « Là où le bonheur se respire », inspiré de son quotidien à l'hôpital, Sophie Talmen explore avec passion l'univers des parfums et nous fait prendre le large avec une bouleversante histoire d'amour et de résilience qui nous fait du bien. Aller se promener à Auschwitz en famille pour se distraire et prendre l'air. Il fallait oser. Yasmina Reza l'a fait avec talent et toute la distance qu'il convient, en introduisant du comique dans le tragique. Serge jette un regard implacable et vrai sur la déchéance et la mort. Franck Tilliez nous convie avec 1991 à un voyage dans le temps auprès d'un Franck Charcot fraîchement sorti de l'école d'inspecteur et qui se retrouve confronté à sa première enquête. Dans La Chasse, thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulation, violence, règlement de compte, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. Ragnar Jonasson signe avec La Dame de Reykjavik une intrigue bien ficelée et dépeint une héroïne complexe, porteuse de lourds secrets, professionnelle sans être irréprochable. Meurtre, scène macabre, la chasse aux démons est ouverte. Pas de répit, du suspense, de l'effroi et de l'horreur. Un très bon premier thriller signé Marc Lane. Laurent Gounel vous propose avec Intuitio un thriller initiatique au suspense aussi original qu'à le temps qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit, le vôtre. Les thèmes abordés sont à la fois actuels et intemporels, mais surtout profonds et très bien exploités. Yvonne décide de vendre sa maison, qui lui rappelle trop de souvenirs, pour partir vivre en maison de retraite. Le plongeon de Séverine Vidal est un récit touchant qui nous fait passer des rires aux larmes. Les cahiers d'Esther de Ryan Satouf s'inspirent des histoires vraies d'une adolescente. Dans ce tome 6, Esther entre en troisième. C'est l'année de ses 15 ans. Elle se paye des délires de ouf, organise sa soirée d'anniversaire et crée son profil Instagram. Avec ce premier tome du Merlu, Thierry Dubois et Jérôme Falipou nous entraînent dans la France des années 40 alors que des millions de civils se jetaient sur les routes de l'Exode pour fuir l'avancée de l'armée allemande. Quelque part dans la France de l'entre-deux-guerres, niché au cœur d'une ferme oubliée des hommes, le château des animaux est dirigé d'un sabot de fer par le président Silvio. Secondé par une milice de chiens, le taureau dictateur exploite les autres animaux
tous contraints à des travaux de peine épuisants pour le bien de la communauté. Mysterium est un jeu d'enquête coopératif dans lequel tous les joueurs sont unis dans un même but. Découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le manoir et lui a porté la paix. Qui a commis le crime? Où s'est-il déroulé? Quelle arme a causé la mort? Plus les médiums coopèrent et devinent bien, plus il est facile d'attraper le bon coupable. Unlock est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Ce jeu de déduction et d'aventure vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table. À vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et arriver à bout des énigmes dans les temps. Avec le casse-tête Alerte Astéroïde, l'espace vous attend, avec tous les dangers qui en découlent. Votre vaisseau spatial doit se sortir d'une situation complexe et vos talents de pilote seront requis pour l'en sauver. De quoi développer la concentration et la réflexion. Ensemble, tentez l'aventure! Osez débarquer sur l'île interdite. Formez une équipe d'intrépides aventuriers et coopérez pour réussir une mission insensée. Récupérez 4 trésors sacrés au milieu des ruines. Le péril vous guette car l'île s'enfonce dans les flots. L'entraide sera la seule solution pour réussir. Dans Talisman, récit légendaire, vous voyagerez à travers une terre merveilleuse et vivrez des aventures passionnantes dans lesquelles vous devrez prendre des décisions importantes et vous défendre contre des ennemis cruels. Soyez prudent, vous n'avez qu'un temps limité pour récupérer le talisman. Échappez-vous du temple maudit. L'aventurier est un jeu de logique dans lequel vous devrez réussir à faire sortir votre personnage hors du labyrinthe. Un casse-tête de 60 défis de difficulté progressive. Préquel de Breaking Bad, Better Call Saul est une série aussi brillante que son aîné. On y suit la vie de Jimmy McGill avant qu'il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman et devienne l'avocat véreux de Walter White. Le scénario est bien ficelé, les acteurs jouent à la perfection. On passe des larmes au rire et à tout un tas d'émotions, du pur bonheur. Westworld rentre, avec cette troisième saison, dans l'esthétique de la science-fiction à proprement parler. Le parc d'attractions où les visiteurs payaient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest laisse la place à un monde réel à la fois magnifique et horrible, guidé par le déterminisme, la notion selon laquelle l'intégralité de notre société contemporaine est déterminée par des algorithmes guidant nos choix.